On y va avec la présentation personnalisée. Des tips à l'entraînement. Si vous le souhaitez. Voilà, donc évidemment, pas toute présentation personnalisée. Et la mise en ligne sera effectuée. Mesdames, pour la course élite et je ne dirai pas qui a fait la grimace, je ne dirai pas qui a fait le A de satisfaction. Messieurs, il est temps maintenant, il est 10h20, tout au minute. L'équipe championne du monde, la polyvalente sur le cross. Eviator est sur le Olympique des cyclistes internationales avec le numéro 1005. Elle aussi pour le team BH, 7 tours, KMC, vos applaudissements pour Julie Brest. Applaudissements pour le numéro 1006. Et c'est parti! Allez Sabrina, allez,
vas-y. Allez.
pardon. Attention. Quasiment toutes les 5-6 minutes, je vais vous donner les informations. Le cinquième. Voilà, Philippe Clausel. Toujours la même qui perd encore un petit peu plus de temps ici. 54 secondes maintenant, elle a respecté encore. Je suis désolé. Vous n'avez pas la crédibilisation. Grand tour. Je vais le prendre. Ça passe encore ici au niveau de la ligne. Remporter sûrement une nouvelle victoire en Coupe de France. Elle dans le palmarès, mais elle ne peut pas se relâcher. Je vous demande de déclencher vos applaudissements tout au long de cette ligne d'arrivée, s'il vous plaît, pour une ovation pour ces deux championnes en fer, Pauline Ferrand-Prévot, qui s'impose dans la première manche de la Coupe de France de France Olympique. Et Julie Bressé, la championne olympique, qui prend la deuxième place. Pauline Ferrand-Prévot, Julie Bressé, il y a deux places en équipe de France à prendre. Mais il y en a une derrière qui peut-être aimerait bien être aussi du voyage. Et c'est elle qui a lancé la course de superbe façon. Elle est la voir avec le maillot rouge de la structure qu'elle a mise en place pour pouvoir effectuer la Coupe de France. Sabrina Hainaut, qui est à votre disposition, les spectateurs de Marseille du Midi. Les applaudissements, troisième Sabrina Hainaut. Troisième place consécutive pour Sabrina, la troisième position. Les applaudissements encore, s'il vous plaît. Charlie Andren, à The Force Place, quatrième position pour la championne du continent asiatique. Si tu veux venir me rejoindre, ce sera avec plaisir que je te retrouverai pour pouvoir me raconter. Sabrina, merci d'avoir lancé des choses comme ça et placé la barre très... Un peu de jus quand même. Voilà, il me fallait plus 4 tours que 5 tours. Action de l'âge, pardon. Bien. Je disais que peut-être il y avait une petite idée en arrière-tête pour aller faire un petit voyage outre-Atlantique. Ah, ça c'est bien joué encore. Cette superbe Coupe de France. Pauline Ferrand-Prévot, les applaudissements, s'il vous plaît. Et bravo. Merci. Ça n'a pas été évident, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Hier, tu disais que tu savais pas trop où t'en étais, mais là, est-ce que t'as dû t'employer pour préserver ta place de leader? Ouais, c'est sûr. Bah, je me suis mis à bloc toute la course. Ouais. Au début, j'étais pas super bien, et les deux derniers tours, je me suis un peu débloqué. Je sais pas. D'accord, c'est le parcours qui convenait pas, Non, d'accord. J'ai pas forcément d'excuses, c'est juste que j'étais pas terrible. C'est comme ça. Voilà. Ouais, il faut que les sensations reviennent petit à petit aussi. Oui, c'est clair, oui. Après... voilà, avec la blessure et tout, j'ai fait 5 mois sans compétition, donc j'ai pas forcément l'habitude, et là, il faut retrouver le rythme de course. Voilà, donc là, ça revient, on se rôde bien, et puis pardon, on va interrompre juste, pardon pour Léna Géraud, vainqueur de la catégorie des moins de 23 ans. Mille excuses, Léna. Pauline, encore une dernière question, donc là, les sensations sont en train de revenir, ton pro-corps, bravo pour cette victoire, les applaudissements, s'il vous plaît.
Julie Bressé, si tu es encore là, Julie, s'il te plaît. Ah, pardon, merci. Oui. Là aussi, merci. Je suis désolé, je dis plein de merci aujourd'hui. Mais merci pour la qualité du spectacle que vous nous avez offert tous là sur une bagarre. Mais alors, c'était du bonheur que vous avez offert. Des courses comme ça, c'est vraiment super. Et puis surtout pour la première, pour lancer la saison, c'est génial. On voit qu'il y a une belle densité cette année. Et puis surtout, moi, je suis contente de revenir aussi au contact. Ouais, j'ai l'impression. C'est sûr qu'au niveau sensation, j'étais bien aujourd'hui, donc ça fait plaisir, je sais que j'avance dans le bon sens, donc je reste confiante. Et là aujourd'hui, j'aime ça, la bagarre, c'est pour ça aussi que je fais du cross-country. C'est ce que j'ai dit, juste à travailler comme le départ, je suis vraiment déçue, j'ai un souci horrible, je me suis dit, j'ai un petit peu déjà les pensées un petit peu négatives, mais non, j'ai vu que je revenais. C'est Massy et les moins de 23 ans. Léna Géraud, si tu es encore les protocoles dans quelques instants. Le bon que vous avez devant vous, Karine Devin, Justine Biasetto, c'était le tiercé gagnant, le trio gagnant pour cette Coupe de France dans la catégorie Open que vous accompagnez à nouveau de vos applaudissements. Merci beaucoup, mesdemoiselles. On va gagner un petit peu de temps puisque deuxième position de cette course des 15 et onde. Et puis pour la vie, saluez s'il vous plaît pour le Mountain Club Vésubien, la lauréate du jour, Justine Tonceau. Dans les bras sur une ligne de Coupe de France, les applaudissements s'il vous plaît, Justine Tonceau. Pour la deuxième position dans cette carte de la Fédération française de cyclisme, le président CNVTT, Johanna Lecour pour Hélène Clausel, et une nouvelle victoire pour elle qui avait déjà remporté l'année dernière le classement général final. S'il vous plaît, Hélène Clausel, Johanna Lecour, Magda Dulan, le top 3 pour les juniors dames de la Coupe de France. L'année dernière, son premier podium c'était à Saint-Pompon. Et pour la victoire dans cette la première sur la plus haute marche, Léna Géraud qui brille également sur les épreuves de VTT Marathon. Léna Géraud, Perrine Clausel. Un nouveau podium pour Perrine Clausel. Alors on va faire l'appel quand même pour... Oh ! Non ! Ça va être le deuxième ! Le trophée à une Bretonne pour cette Coupe de France. Les applaudissements à nouveau s'il vous plaît, Julie Bressé. Pauline Ferrand-Prévot. Olympique, s'il vous plaît, nous avons vraiment devant, vous avez vraiment devant vous quatre championnes d'exception. J'aimerais que vos applaudissements plus fort. Moi je dirais que ce sont des applaudissements polis que vous avez offerts, mais j'aimerais que ça soit. Ce sont les applaudissements de vrais supporters de VTT. Encore mieux!